Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait tellement longtemps là. On est dimanche 22 octobre, donc ça fait longtemps en fait que j'ai pas posté, vraiment très longtemps. Et ça me manque énormément, donc je suis vraiment contente là d'enfin vous reprendre la caméra et de vous parler un peu. En fait, j'ai filmé un peu ces dernières semaines, mais c'est un peu déconstruit, donc je vais laisser ça dans le vlog là tout de suite dans quelques secondes. Je voulais juste introduire le vlog aujourd'hui parce que c'est les vacances, donc je vais de nouveau avoir un peu l'énergie de filmer et des choses un petit peu plus variées à filmer parce que je rentre en Alsace et ensuite je vais passer une semaine à Paris. Je sais pas trop à quoi ce vlog va ressembler, mais bon, c'est pas grave. Je vais juste prendre la caméra un peu avec moi tout le temps. J'ai pas mal de choses à vous raconter par rapport aux cours, à mes élèves et tout. Je sais pas à quel point je vais vous raconter ça directement parce que je veux respecter l'intimité de mes élèves. Si jamais un jour ils tombent sur mes vidéos, etc., je vous raconterai peut-être plutôt les anecdotes en fin d'année quand je les aurai plus. Je vous laisse regarder les quelques images que j'ai filmées ces dernières semaines sur mon installation dans mon appart, sur les premières corrections de copies, ce genre de choses, les lectures que j'ai pas faites. vous allez comprendre. Enfin bref, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à tout de suite. Until the morning building can't
Ça fait un moment que j'ai pas repris la caméra là, comme par hasard. J'ai pas du tout lu cette semaine, quasiment pas. J'ai lu 2 pages de Balzac pendant le quart d'heure de lecture avec mes élèves. Donc, mais j'ai été un peu fatiguée. Je sais pas vous, mais tout ce qui se passe dans les étoiles en ce moment, c'est assez éprouvant. Mais bon, au moins, la vie n'est pas ennuyeuse en ce moment. Je pense que la dernière fois que j'ai filmé, j'étais en train de corriger les copies. Donc c'était probablement mercredi, les dictées, qui ont été assez bien réussies. J'ai fait des progrès cette semaine. C'est une semaine qui s'est bien terminée, en tout cas. Donc je suis assez contente. Donc les raisons pour lesquelles je n'ai pas lu, tout d'abord parce que j'avais pas mal de travail, que je suis allée à l'INSPE jeudi, que l'INSPE, quand j'y vais, c'est passionnant, mais ça me vide de mon énergie. Donc en général, quand je rentre de l'INSPE, je passe la soirée sur le canapé. J'ai commencé The Vampire Diaries, que j'ai jamais vu avant. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que là, ça fait 2 ans que chaque année, autour d'Halloween, j'ai un délire avec les vampires. L'année dernière, j'avais regardé plein de mini-séries avec des vampires et tout. Donc j'ai commencé The Vampire Diaries. Je vous dirai ce que j'en pense au fur et à mesure. C'est le genre de série culte que j'ai pas encore vu. Ça va peut-être... je sais pas, me plaire, surtout que comme j'ai adoré Supernatural, c'est un petit peu le comme si on changeait de point de vue sur les vampires. On n'a plus le point de vue des chasseurs, mais des vampires dans The Vampire Diaries. C'est intéressant. Je pense que ça aurait été marrant qu'ils fassent un crossover entre les deux séries. Je sais pas si ça arrive à un moment ou à un autre, mais ça aurait pu être marrant. Et il faudrait aussi un jour que je finisse Supernatural, parce que c'est vraiment comme les livres que j'aime trop. Je veux jamais finir les livres que j'aime, parce que après, ben voilà, ils sont finis, c'est terminé, il n'y en a plus. Et même si on peut re-regarder une série, je sais pas, Supernatural, j'ai très peur de la finir parce que je sais à peu près comment ça se finit. Et j'en parle pas beaucoup sur ma chaîne de ce que je regarde, mais j'aime vraiment beaucoup les séries, donc peut-être que je pourrais vous en parler un petit peu plus, surtout dans ce genre de format de vidéo. Il faut que je me remette à la lecture, que je reprenne cette habitude. J'ai pas beaucoup lu en septembre et là au début d'octobre, donc il faut que je m'y remette un petit peu. Et je pense que The Goldfinch, c'est le bon moyen de m'y remettre. J'ai très très hâte aussi de lire le deuxième tome de Zaphon, là, que j'ai acheté en Écosse. Mais d'abord, j'aimerais bien finir quand même au moins un des livres que je suis en train de lire, parce que sinon je les finirai jamais. On revient au début de la vidéo, j'ai changé de pull parce que j'avais pas assez chaud, mais on est le même jour et tout qu'au début de la vidéo. Quand j'ai commencé à filmer, l'idée c'est de faire un vlog lecture où je lisais, où je finissais tous les livres que j'ai commencé cet été et que je n'ai pas fini. Mais c'était une trop grosse pile, ça me semblait infaisable. J'ai pas réussi à me concentrer et à lire, donc j'emmène ce Goldfinch à la maison. Je vais peut-être faire un marathon de lecture pour le finir, on verra. Mais je l'emmène pendant les vacances et puis j'ai d'autres livres plus courts que j'ai envie de commencer. Alors tant pis pour ceux que j'ai sur le feu, on verra ce que j'en fais. Donc voilà un petit peu pour les lectures. The Vampire Diaries, j'en suis au milieu de la saison 3. J'ai un peu bingé. Mais je regarde en faisant autre chose parce que c'est pas très compliqué à suivre. Mais alors à la fin de la première saison, j'ai fait un petit post en story sur Insta en disant que je trouvais que... Bon, à part le personnage de Damon, les autres ils étaient un peu insipides, que au niveau de la réalisation et tout, il y avait un peu rien à voir de particulier. À part les musiques qui étaient assez bien choisies. Là, en étant au milieu de la saison 3, je trouve que là les enjeux commencent à se compliquer un peu et qu'on voit d'autres facettes des personnages. Je m'y attache un petit peu plus, notamment Caroline, elle est géniale. Ma meilleure amie, elle m'a identifiée sur un post. Quel personnage de The Vampire Diaries êtes-vous en fonction de votre signe astro? Je suis censée être Klaus? Bon, j'ai vu que 2 saisons et demie, donc on va rien dire. Mais mais bon, c'est assez, assez amusant à regarder, je trouve, même si, bon, évidemment, il y a des petits problèmes, il y a des choses qui seraient plus faites de la même manière si la série avait été faite aujourd'hui, de nos jours, mais bon. Donc voilà un petit peu pour l'instant mon avis. Je pense que je vais continuer sur le long du vlog, donc je vous en reparlerai peut-être. Sinon, par rapport à mes classes, mes élèves et tout, j'ai mentionné quelques réussites, enfin une semaine assez satisfaisante. Là c'est pareil, je finis la semaine sur une réussite, enfin je pense. C'était 2 semaines un peu chaotiques. En fait, cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi et travaillé sur... Enfin, on en a parlé rapidement à l'INSPE aussi. Sur le détachement et la posture du professeur qui doit être pas trop maternelle non plus et tout. Moi, je suis quelqu'un très comme ça de maternelle. Je m'attache beaucoup aux gens et tout. Et il faut
réussir à garder de la distance avec les élèves, mais c'est vrai que c'est difficile, ça fait un mois et demi que je les connais et genre je m'attache déjà à eux évidemment, et même ceux qui me... C'est ça qui fait que le métier est un beau métier, mais c'est compliqué. En plus, avec tout ce qui s'est passé au niveau de l'actualité, c'était un petit peu une semaine émotionnellement compliquée là. La semaine avant les vacances, un peu glauque, un peu... avec des émotions un peu fortes toute la semaine. Donc voilà, là je suis bien contente d'être en vacances, je pense que tous les profs seront d'accord. Pour l'instant, je suis assez contente de mon année là. Je me sens bien, même si c'est plein de défis à le relever tous les jours. Je suis assez contente pour l'instant, donc bon. On verra comment le reste de l'année se passe. Donc voilà un petit peu l'update pour l'instant. Je vous reprendrai quand je serai en Alsace, je pense. Ah, dans quelques jours, en Alsace, avec les animaux. J'ai trop hâte de voir mes animaux. Allez, j'y vais. Je vais ranger plutôt que de filmer là, même si c'est plus amusant. Comme je suis à la maison, j'ai retrouvé mon vernis préféré. C'est un Essie, c'est le All Tied Up. Donc je me suis dit que je pourrais le faire et en même temps vous raconter un petit peu, vous update un peu, bon, un petit peu comment sont passés les deux derniers jours. On est mercredi, j'ai trop hâte d'aller à Paris là. J'ai fait un petit arrêt très rapide quand je suis revenue en Alsace parce que la station de la 5 était fermée à Gare d'Austerlitz et du coup j'ai dû marcher jusqu'à Quai de la Rapée. Et en fait le soleil commençait à tomber un petit peu sur le jardin des plantes et tout, c'était trop beau. Ça m'a donné hâte d'être à Paris, de revivre un petit peu ma petite vie parisienne qui me manque un peu quand même. Même si je me plais énormément à Blois, ça me manque un tout petit peu quand même d'avoir accès à tout ce qu'il y a à Paris quoi. Donc voilà, j'ai très hâte. Sinon, petit update The Vampire Diaries, je suis au milieu de la saison 3 à peu près. Je trouve que c'est de mieux en mieux. Enfin, la saison 2, je l'ai trouvée assez bien avec tout ce qui se passait autour des originals et tout. Et je commence à m'attacher à plus de personnages, on va dire. Par contre, ce qui commence un petit peu à me fatiguer, c'est le slow burn entre Diamond et Elena, j'espère que ça va se résoudre parce que je trouve que c'est plus du tout intéressant là. Sinon, les personnages que j'aime bien en ce moment, c'est Caroline. Elle est trop belle déjà et c'est un rayon de soleil, enfin je l'aime trop. Et j'aime bien ce qui se passe avec Klaus, même si Klaus c'est compliqué. J'adore Elijah aussi. Je trouve ça dommage qu'il ait pas plus de screen time et tout parce que... Je trouve que c'est le meilleur, enfin c'est mon original préféré. Je trouve toujours pas que c'est la série du siècle, hein, mais ça se regarde, c'est sympa. Et je commence à un petit peu plus interagir avec les personnages, même si vraiment pas tous. Hein. Sinon niveau lecture, j'ai pas du tout avancé encore dans The Goldfinch, parce qu'en plus vous êtes dessus, là la caméra est dessus. Mais je suis en train de lire et je suis en bon chemin, je suis à peu près à la moitié, du Diable au corps de Radiguet. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce livre, mais ça me faisait envie et je trouve que c'est magnifique pour l'instant. Je connaissais pas du tout Radiguet, j'ai jamais lu aucun de ses livres. Raymond Radiguet, mais c'est en fait un auteur un peu prodige qui a vécu entre 1903 et 1923 il me semble, un truc comme ça, ou 1905 et 1925, il a vécu que 20 ans. Il a écrit de la poésie, des essais et deux romans, dont Le Diable au corps, qui se déroule en fait pendant la Première Guerre mondiale. Mais c'est une histoire d'amour en fait entre un jeune garçon d'une quinzaine d'années et une femme mariée de 19 ans à peu près. Pendant que son mari à elle est au front. Et c'est concis, c'est des chapitres très courts, mais ça va droit au but, c'est tellement bien écrit, c'est tellement beau. Il y a des fulgurances comme ça dans son écriture, j'adore. Alors, je peux peut-être vous lire un extrait. Là, j'ai pas le livre, il est en bas, mais j'ai peut-être fait des photos hier. Je ne souhaitais rien d'autre que ces fiançailles éternelles, nos corps étendus près de la cheminée, se touchant l'un l'autre et moi n'osant bouger, de peur qu'un seul de mes gestes ne suffit à chasser le bonheur. Mais Marthe, qui goûtait le même charme, croyait le goûter seule. Dans ma paresse heureuse, elle l'eut de l'indifférence. Pensant que je ne l'aimais pas, elle s'imagina que je me lasserais vite de ce salon silencieux si elle ne faisait rien pour m'attacher à elle. Nous nous taisions, j'y voyais une preuve de bonheur.
Je me sentais tellement près de Marthe, avec la certitude que nous pensions en même temps aux mêmes choses, que lui parler m'eût semblé absurde, comme de parler haut quand on est seul. Ce silence accablait la pauvre petite. La sagesse eût été de me servir de moyen de correspondre, aussi grossier que la parole ou le geste, tout en déplorant qu'il n'en existât point de plus subtil. À me voir tous les jours m'enfoncer de plus en plus dans ce mutisme délicieux, Marthe se figura que je m'ennuyais de plus en plus. Elle se sentait prête à tout pour me distraire. Sa chevelure dénouée, elle aimait dormir près du feu. Ou plutôt, je croyais qu'elle dormait. Son sommeil lui était prétexte pour mettre ses bras autour de mon cou, et une fois réveillée, les yeux humides me dire qu'elle venait d'avoir un rêve triste. Elle ne voulait jamais me le raconter. Je profitais de son faux sommeil pour respirer ses cheveux, son cou, ses joues brûlantes et en les effleurant à peine pour qu'elle ne se réveillât point. Toutes les caresses qui ne sont pas, comme on croit, la menue monnaie de l'amour, mais au contraire la plus rare et auxquelles seule la passion puisse recourir. Moi, je les croyais permises à mon amitié. Pourtant, je commençais à me désespérer sérieusement de ce que seul l'amour nous donna des droits sur une femme. Je me passerais bien de l'amour, pensais-je, mais jamais de n'avoir aucun droit sur Marthe. Et pour en avoir, j'étais même décidée à l'amour, tout en croyant de le déplorer. Je désirais Marthe et je ne le comprenais pas. Hello tout le monde, on est jeudi 2 il me semble. J'ai pas beaucoup repris la caméra ces derniers jours parce que les premiers jours à Paris étaient bien chargés. On a fait beaucoup de visites avec la famille de mon chéri. Ensuite là ces deux derniers jours j'ai bossé sur ma séquence. Aujourd'hui je suis toute seule donc je vais enfin pouvoir passer la journée avec vous à Paris. J'ai trop hâte, en plus il fait pas trop moche aujourd'hui. Là je voulais prendre la caméra pour vous parler des livres que j'ai achetés. Depuis que je suis à Paris, j'ai un peu fait une radia parce que j'en achète pas vraiment quand je suis à Blois. Donc là, je me suis un peu fait plaisir. En fait, on est allé voir l'exposition à l'Orangerie sur Modigliani et Paul Guillaume, qui était son marchand d'art. Et ce monsieur m'a fascinée. Donc j'en ai fait ma mission de vie, de tout savoir sur lui. Donc j'ai acheté plein de livres qui soit parlent de lui, soit ont lieu dans les années 10-20. À Paris. C'est une période à laquelle je me suis jamais intéressée, donc là j'ai trouvé une porte d'entrée. Pour une fois que le 20e m'intéresse, enfin surtout le début du 20e, c'est vrai que c'est pas ma période de prédilection. J'avoue que l'école de Paris, tout ça, c'est pas trop mon style. Picasso, surtout à ses débuts, Modigliani, Derain, Rousseau, tout ça, c'est pas trop mon truc. Je vois l'intérêt artistique de ce mouvement et tout, et de ces peintres, mais esthétiquement, c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais la période a l'air fort intéressante, donc voilà, j'ai décidé de m'y intéresser un peu. Alors quand on est sorti de l'exposition, j'ai acheté les correspondances de Paul Guillaume et d'Apollinaire parce qu'ils étaient amis et ils correspondaient régulièrement, notamment au sujet du journal que tenait Paul Guillaume qui s'intitule L'Art à Paris ou Les Arts à Paris et dans lequel Apollinaire écrivait souvent. Il faisait aussi souvent les préfaces des catalogues des expositions qu'organisait Paul Guillaume, etc. Peut-être que vous avez déjà vu ce tableau de Modigliani, et ben c'est Paul Guillaume. Voilà. J'ai déjà lu ce livre parce que c'est assez court, c'est des correspondances. Il y a des documents à l'intérieur, c'est très très chouette, j'adore ce genre de livre. Alors là c'est une lettre de Paul Guillaume à Apollinaire, mais il y a aussi des passages, enfin des exemples de pages de catalogue, d'exposition. En fait Paul Guillaume c'est le premier à avoir décidé d'exposer et de présenter les statues africaines, les masques, les fétiches et tout comme des œuvres d'art et pas juste comme des objets d'études ethnographiques ou ethnologiques. Et c'est ce qui a lancer la conversation entre lui et Apollinaire, on va dire. J'ai trouvé que l'exposition à l'Orangerie était très bien faite, du coup, parce que ça expliquait, à travers la rencontre entre Paul Guillaume et Modigliani, pourquoi Modigliani, il peint ses visages comme ça, et en fait, c'est des visages qui ressemblent à des masques africains, parce qu'il en a vu chez Paul Guillaume, quand il l'a rencontré, qui était son marchand d'art. Donc je trouvais que c'était très intéressant comme entrée dans l'exposition et comme manière de présenter le travail de Modigliani, bref. Ensuite j'ai acheté la seule biographie trouvable et existante il me semble de Paul Guillaume qui est sortie il y a pas longtemps, oui en 2023 cette année, exprès pour je pense l'exposition. Donc à nouveau voilà une photo de Paul Guillaume
Donc il est dans son appartement et vous voyez là derrière il y a un tableau de Modigliani. J'en suis là, vraiment j'ai commencé dans le bus. J'ai très très hâte de continuer à lire ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que pour écrire un roman ce serait le personnage parfait parce qu'il est pas trop connu. C'est un peu un personnage de l'ombre on va dire, mais il est très charismatique et très intéressant. Son histoire avec sa femme aussi un petit peu, Juliette Lacaze, si jamais vous voulez chercher ça sur Wikipédia, c'est assez, on dirait un Zola le truc. Mais voilà donc... Je sais pas, il me fascine comme un personnage de roman en fait, c'est assez, assez intéressant dans ma tête. Bref. Donc ensuite les livres que j'ai achetés qui sont un peu périphériques mais qui ont été publiés à peu près à l'époque où il vivait, j'ai d'abord pris des livres d'Apollinaire, Alcool, dans cette édition là, des classiques du livre de poche, parce qu'en fait il y a énormément de notes, en fait c'est une page, un poème et les notes de l'autre. Donc la paracritique est énorme, il y a une longue introduction, il y a un dossier à la fin et tout, donc je voulais vraiment une édition un peu plus complète comme ça. Et j'ai acheté aussi L'Enchanteur pourrissant, que je connaissais pas du tout, qui, il me semble, parle de Merlin l'Enchanteur. Enfin, c'est un petit peu la quête du Graal, version Apollinaire, et je connaissais pas du tout ce texte. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt trois pièces de théâtre, L'Enchanteur pourrissant, Les mamelles de Tirésias et La couleur du temps. Et en fait, c'est illustré par Derain, donc il y a un rapport avec l'art graphique de l'époque. J'ai pris aussi deux livres d'un autre poète de la même époque, dont Paul Guillaume était assez proche aussi et qui était mentionné dans l'exposition, qui est Max Jacob, que pour le coup je ne connais pas du tout, je n'ai jamais rien lu de ce poète. Donc j'ai pris ces deux-là en regardant en fait les dates à laquelle ils avaient été publiés. Donc Le Cornet à D, c'est un livre qui a été publié à l'époque où il connaissait Paul Guillaume. C'est des poèmes en prose. Et le suivant c'est Poème de Morven le Gaélique. Alors comme il y a un rapport avec le Gaélique, le monde celte et tout, je me suis dit... Allez, je peux peut-être vous lire la petite note de l'auteur au début, où il dit « Les connaisseurs ne manqueront d'être frappés des pastiches qu'ils rencontreront dans ce livre. Ils se montreront meilleurs connaisseurs encore en se réjouissant des traits d'originalité qui s'y mêlent. Que dira l'auteur pour sa défense? Il pense n'avoir pas à se défendre. Si les peintres suivent la tradition de Cézanne ou de Picasso, pourquoi les littérateurs ne suivraient-ils pas celle de la Bretagne, ou celle d'Edgar Poe, ou d'Henri Heine ?» Ensuite j'ai acheté Paris-France de Gertrude Stein. Gertrude Stein c'était une amie d'Hemingway et des poètes de la génération perdue, américains et anglais, qui ont habité à Paris dans les années 10, pendant l'entre-deux-guerres, et les années 20. Et donc dans ce livre elle décrit le Paris des écrivains de l'époque pour tout ce qui est ambiance des artistes de Montmartre dans les années 10-20, tout ça. Je pense que c'est un bon livre assez immersif. La quatrième de couverture cite « Les écrivains doivent avoir deux pays, celui auquel ils appartiennent et celui dans lequel ils vivent réellement. Le second est romanesque, il est séparé d'eux-mêmes, il n'est pas réel mais il est réellement là. » Ça c'est une citation de Gertrude Stein. Alors que la menace allemande plane sur la France, Gertrude Stein publie en 1940 Paris-France, un petit opuscule mêlant souvenirs de jeunesse et observations sur son pays d'adoption, la France. Ce texte est un hymne au plaisir et à la joie de vivre dans ce pays romanesque qu'était la France pour elle, comme pour bien d'autres Américains de sa génération, où elle avait attendu de vivre pour se révéler dans l'écriture. Derrière les commentaires tranchés sur la mode, la cuisine, les traditions et les manières d'être des Français, on retrouve l'intérêt constant de Stein pour les caractères, pour les habitudes, pour tout ce qui se répète dans un comportement et qui fait le style d'une vie. Donc je pense que je vais binger tout ça les prochains temps. J'aimerais bien trouver aussi Paris est une fête d'Hemingway, mais je ne l'ai pas trouvé d'occasion pour l'instant. Thank you.
what is it that you do? Just wanna love you, just wanna hold you.